Zombie Apocalypse. Bonjour à tous les gamers, on se retrouve sur Gesso Gaming pour la suite d'Assassin's Creed Unity. Nous sommes rendus au troisième épisode de l'histoire. Du coup, on va directement commencer sur la séquence 2, Mémoire de Renaissance. Allez, les temps de chargement à rallonge, comme d'habitude. Ah non, ça va pour le coup. J'imagine qu'une simple adresse aurait été trop triviale. Tu verras que ces révolutionnaires auront donc fait se proclamer roi. Et toi, tu verras que le peuple donnera la voix et qu'il se fera obéir. J'entends quelqu'un qui parle, là, c'est une courte. Ok. Je sais pas en haut, de toute façon. Explorer la Sainte-Chapelle. Hop. Hop. Ah, là, c'est ouvert. Ok, je crois qu'il y a un point de synchronisation aussi à faire. Ça peut être dehors, de toute façon. Les chances. Peut-être le rayon de soleil. Ah, déjà il y a un coffre par là qui doit être au-dessus ou en dessous. Le rayon de soleil. Le rayon de soleil. Merde. Ouais, je ne vois pas trop quoi faire, mais on va trouver. On va trouver, il n'y a pas de problème. Alors. Montre garçon, s'il te plaît. Non, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Voilà, continue à monter, continue à monter. Je parie que ce médaillon doit jouer un rôle. Merde. Ce sera en face alors. Pas logique, ça serait en face. Vu que le médaillon ressemble un peu à ça. Hop. Allez, mon gamin. Voilà. Descends. Hop, interagir. Sans l'escalade. Oh oui. Ah bah c'est juste tout à l'heure, tiens. Allez, fais ça bien, mon garçon. Avec style et brio. Non, c'est pas du tout ça que je demandais. Voilà. Là. 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 Hop. Hop. Ok. Attends, je sais pas si je le ferai moi personnellement. Hein. C'était dans le vide comme ça, on a pas envie. Hein. Mais bon, il l'a fait, c'est lui qui est son problème, c'est pas le mien. Et c'est un assistant après tout. Hein. Donc bon. Ah là là, les pauses rallongent. Bon, vous allez faire pipi, hein, comme d'habitude, faire un chat popcorn, comme vous voulez. Ah non, c'est bon. À chaque fois je dis ça, c'est bon, en fait. T'as pris ton temps, merdeux. Où sommes-nous?
Dans un sanctuaire. Un lieu où l'on peut s'entraîner et se préparer. Loin du regard de nos ennemis. Est-on vraiment obligé de retourner en prison? C'est pas une prison. C'est un réseau. En empruntant ces souterrains, on peut parcourir toute la ville sans être vu. Et on voit tout ce qui se passe. Ah bon? Pourtant, on n'y voit pas grand-chose. Pourquoi vous n'avez pas choisi un endroit en hauteur? On se sert de ces tunnels depuis 6 siècles, merdeux. Ah ah. Et ça faisait longtemps que tu m'attendais caché dans les ténèbres? Non, non. Guillaume t'a aperçu depuis le clocher. C'était une belle entrée en scène. Tu te moques de moi? Ainsi, le fils de Charles d'Orient revient à nous. Bellec pensait que tu ne viendrais pas. Pourquoi ce revirement? J'en ai assez de fuir mes échecs. Monsieur de la Serre, mon père, je tiens à me racheter. La mort du grand maître de la Serre pèse sur ta conscience. Pourquoi? Est-ce toi qui tenais la lame? Quelle importance. J'en porte quand même la faute. La culpabilité l'étouffe. Tu réponds vraiment de lui? Anna Kabale. Inauka Diran, Ala Mouajati El Mouakama. Sea Kunujaidan. Très bien. De l'ombre, tu rejoins la lumière. De la lumière, tu regagnes les ombres. Es-tu prêt à suivre la voie de l'aigle? Si c'est votre manière de demander si je veux de votre aide, oui. Alors bois. Perilis, Intus, Adultus, Mortis. Ouais. Et pas de bêtises, t'as entendu? C'est comme un organe chum, tu vois. Père! Mais où est-il passé? Je suis certain de lui avoir dit. Nous devrions déjà être. Père, c'est moi! Je suis là! Putain, non! Ah! Bah. On va faire ça bien. Deuxième coup, mais c'est pas grave, moi je vais bien. Aïe, aïe, aïe.
Ah ouais, quoi, on se... Père ! Mais où est-il passé ? Nous devrions déjà être... Père, c'est moi ! Je suis là ! Non mais... Ah bordel, je vais galérer à cette connerie là, vous y croyez vous? Franchement. C'est pas possible, toi. C'est pas possible. Ah c'est vraiment galérer pour de la merde, non, je l'ai. Père, mais où est-il passé enfin? Père, c'est moi. Je suis là. Allez, gamin. On va se dépêcher un peu, on va faire ça tranquillement, il n'y a pas de problème, on s'en stresse. C'est fait, c'est réglé, maintenant on fait plus bien parce que là... Un jour te sortir la tête du cul, viens nous trouver. Tu te sentirais chez toi. Si je la glisse sous la porte, monsieur. Dire, j'ai pas compris. Faut y aller en secret, c'est ça, et l'avoir pas de surprise. Fallait le dire. Tu fais ça, les gars. Ouais, j'avais pas lu. Thank you.
Là, ça c'est fait. L'âme épargnera la chair de l'autre. Tu te cacheras au cœur de la foule. Tu ne mettras jamais en danger la confrérie. Que ces préceptes marquent à jamais ton esprit. Suis-les et tu en deviendras meilleur. Bafoue-les et tu en souffriras. Lève-toi, assassin. Arnaud Dorian est mort. Il a disparu de ce monde. Ses péchés et ses échecs sont réduits au néant. Ce soir, il ressuscite tel un novice de la confrérie des assassins. Et donc, du coup, on est officiellement un assassin. Ça y est, on est rentré en confrérie. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Moi, on va pouvoir être assassin dans Paris. Pour un Français ou une Française, c'est pas mal, moi je dis. Franchement. Je pense qu'on aura des tests aussi à faire pour monter en échelon, je pense, comme ça. Je sais rien en fait. Je pense vu que là c'était une espèce de test qu'on a passé quelque part. Malgré que c'était un test bizarre, mais c'est quand même un test. Donc voilà, je pense que. Moi ouais, je pense qu'on aura des tests. Je sais pas, on verra bien. Voilà, on verra bien. Donc, c'est aussi un gameplay et une découverte aussi du jeu, forcément. Vu que moi je ne connais pas du tout le jeu. Donc je ne saurais pas. Ah, mais bientôt on est à la fin du téléchargement. Voilà. Tu es de retour. Maintenant que tu sais ce qu'est la vie d'un assassin, es-tu prêt à prendre part au combat avec nous? Deacon, charge le fichier. C'est parti. Nous avons volé un fichier de Abstergo le mois dernier, et les infos qu'il contient sont incroyables. Mais on ne partage pas ce genre de choses avec n'importe qui. Si tu appuies sur play, tu rejoindras les assassins. Si tu veux lutter contre les Templiers, si tu veux nous aider à sauver la civilisation des griffes d'Abstergo, appuie sur play, installe-toi et prépare-toi à apprendre la vérité. Tu as fait le bon choix. Bienvenue chez les assassins initiés. Ok, donc ça y est. Là, le véritable aventure va commencer. Abstergo Industries. Dans les années 50, une théorie fut développée selon laquelle l'ADN humain employait un modèle à triple hélice. Quelques années plus tard, les travaux de Crick et Watson démontèrent cette théorie en faveur du modèle à double hélice. Depuis, ce modèle est considéré comme le fondement de toute vie sur Terre. Mais pourquoi a-t-on envisagé la théorie de la triple hélice? Pourquoi les radiographies de Rosalind Franklin semblent-elles la valider? En réalité, les premiers échantillons utilisés contenaient de petites traces d'ADN de précurseurs, les gènes d'une race ancienne intégrée aux nôtres. Nous savons désormais que l'ADN à triple hélice constitue le fondement du génome des précurseurs. C'est la pierre de Rosette génétique de notre époque. Si l'on réussit à la faire parler, à séquencer entièrement le génome des précurseurs, le savoir que nous pourrons acquérir sera sans limite. À l'aide de la technologie Animus, l'histoire des précurseurs se dévoilera sous nos yeux. Le décryptage des langues anciennes permettra d'accéder aux technologies disparues. Imaginez ce que révélera le savoir qui a produit les fragments d'Éden. Ces découvertes seront 100 fois plus importantes que la fission de l'atome.
L'an dernier, nous avons localisé un échantillon très riche d'ADN de précurseurs chez un donneur. Cet échantillon contient 4% d'ADN de précurseurs, une valeur inouïe. Il est la pierre angulaire de nos travaux. Notre objectif est de démêler la triple hélice, de séquencer le génome des précurseurs et de modifier à jamais le visage du monde. Bienvenue dans le projet Phoenix. Waouh. Une belle entrée en matière, je trouve. Franchement, ils ont bien travaillé là-dessus. Franchement, ils expliquent vraiment bien, quoi. Voilà où nous en sommes. L'an dernier, Abstergo a mis la main sur le corps de ce qu'on appelle un sage, l'un des rares êtres humains à détenir un excédent d'ADN ancien. Depuis, il s'active pour en trouver d'autres, dans le présent et dans le passé. Plus Abstergo en détiendra, plus ils se rapprocheront de leur but ultime. On a fait obstacle à leur dernière tentative, mais ils continueront jusqu'à ce qu'ils aient séquencé le génome des précurseurs dans son intégralité. Alors, pourquoi Arnaud Dorian? Pourquoi suivre un assassin pendant la Révolution française? Il s'avère qu'à un moment de sa vie, Arnaud a été en contact avec un autre sage. Il faut que tu découvres où et quand ont eu lieu ces rencontres. Si Arnaud a assisté à la mort de ce sage, Abstergo risque de mettre la main sur son corps. Sauf si on est les premiers à le trouver. C'est là que tu entres en scène. Ce ne sera pas facile. Les mémoires génétiques doivent être traitées dans l'ordre pour que les données restent stables. Mais je suis sûre que tu seras à la hauteur. Et tu ne seras pas seul. D'autres initiés, des assassins tout comme toi, se démènent pour gagner cette bataille. Si tu as besoin de t'entraîner, de plus d'expérience, ils te viendront en aide. Très bien. C'est vrai qu'elle avait essayé une caméra aussi un peu mieux que ça. Chargement de la séquence suivante. Ouais, d'accord. C'est quand même pas terrible. Niveau du son, niveau de l'image. Plein de projets pour Abstergo, mais bon, l'image, elle est pas terrible. Content de te voir. J'ai quelque chose pour toi. Plus tu passeras de temps avec Arnaud, plus on aura de données pour augmenter ta synchronisation avec lui. Et pour activer ses compétences. Tiens, regarde ça. Alors, de nouvelles aptitudes d'assassin ont été débloquées entre 1000 compétences. Arme à distance, cache d'assassin, bourse, grenade étourdissante, partage sensitif, déguisement, apprenti serrurier, son collectif, double assassinat, pot sanglier, dissimulation de décor et frappe étourdissante. Ok. Corps à corps. Donc, tout ça s'est bloqué, donc ça a débloqué à mon avis. Une attaque qui est dotée d'ennemis lui fait perdre l'équilibre au combat. D'accord. D'accord, en fait, on débloque vraiment des choses en fonction de. Bah, de comment on avance, quoi. Donc ça, j'ai appris, donc, le... la type permet d'employer des armes à distance, donc le pistolet. Donc là, c'est les bombes. Là, c'est lancer des bourses pour que les passants les prennent, donc ça ralentit les ennemis. Et la bombe étourdissante, ok. Discrétion. Vision d'aigle avec ses alliés. Déguisement. Rejeter les coffres. Ah putain. Enfin. Donc là c'est crochetage tout ça. Et là c'est. Attaque contre deux cibles proches. Une contre. D'accord. Ok. Et. Peut-être disparaître. D'accord. Ok. Ça c'est cool. Et ça à mon avis. Voilà. Ouais c'est la vie en règle générale. Pendant que tu étais occupé, j'ai demandé à Rebecca d'explorer la mémoire d'Arnaud. C'était un jeune homme plutôt actif. Tu vois ce symbole? C'est une mission coop. Je joue souvent en multi, toi aussi peut-être. Mais je me suis dit que tu voudrais sûrement varier les plaisirs. Voici des missions qu'Arnaud a menées avec ses frères assassins. Elles te donneront une idée du fonctionnement de notre confrérie. Marche jusqu'à cet endroit et tu recevras tous les détails. Je les ai tous indiqués sur ta carte. Ah ouais, d'accord. On peut faire des coop. On peut s'en sortir. On peut changer la couleur aussi. Il y a quand même pas mal de couleurs. Hein. Ah, le rouge il pète quoi ça. Hein. Rouge bordeaux. Ok, ah, je vais mettre le rouge bordeaux. On peut-être. Ah, on peut même changer là. D'accord.
Ouais, puis chaque truc a vraiment son... Bon, là, il y a plus de santé, plus de portée de vision d'aigle et durée de cage d'assassin. Santé... Ok... Donc, je prends celui-là. Ok... Poitrine. Bon, enfin, bref, on verra ça plus tard aussi. Arme. Ah, une main. D'accord, il y a vraiment autre chose que tout ça, c'est pour le corps, par contre. Non ? Ah non, même pas ! Même pas ! D'accord. Bon, on verra ça au prochain épisode, les amis. Je prends le corps, vite fait. Voilà. Et puis moi je vais vous laisser là les gamers. Non, je vais vous laisser là en fait parce que il y a des choses à faire là-bas. Qu'est-ce que vous voulez ? Ah, ça c'est réglé. Mais t'as un problème toi ? Non ? Non, du cœur, merci. Je prierai pour ça. Hop là, on a fini comme ça, vite fait. Donc je vous laisse là les gamers et je vous souhaite une bonne journée à tous. On se retrouve très bientôt pour la suite d'Assassin's Creed Unity. Et moi je vais faire directement par la suite l'annexe, comme d'habitude, comme tous les jours. Voilà, bah écoutez, bonne journée à tous les gamers et à bientôt sur Jesso Gaming. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, c'est pas fait.